Bon, voici une idée de business. Un business simple. Vendre de l'eau infusée. L'eau infusée, c'est quoi? C'est l'eau avec l'arôme. L'eau avec le goût. Un goût de fruits. Tu peux vendre. C'est très simple. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'eau et des fruits. Et tu peux faire des différentes combinaisons possibles. Tu peux acheter un livre sur les différentes combinaisons d'eau infusée. Par exemple, il y a l'eau avec l'orange et le citron, l'eau infusée avec l'orange et le citron, l'eau infusée qui contient rien que du citron. Et c'est quoi? C'est juste quand tu prends de l'eau, tu peux mettre dans une vase ou dans un récipient propre, adéquat, tu mets une quantité et tu découpes par exemple le citron, tu mets dans l'eau. Et puis maintenant tu peux mettre au frigo pour quelques heures et c'est prêt à vendre. Si tu vas dehors dans un endroit où il fait chaud, tu vends de l'eau infusée, peut-être tu achètes aussi les gobelets en plastique et tu peux vendre un verre, je sais pas, 25 francs, 50 francs, 100 francs. Dépendant du prix du marché, de comment est-ce que le marché se comporte. Ça, tu peux aussi savoir. Tu ne veux pas vendre un prix que les gens ne peuvent pas acheter. Et n'essaye pas de faire un gros profit par verre d'eau. Essaye de vendre le maximum. Essaye de vendre la quantité maximale d'eau possible. Essaye essaye de faire un peu de profit et vendre une grande quantité d'eau. En faisant un petit profit, tu vends une grande quantité. Ce que tu fais, ce qui se passe, c'est que dans le cas où tu vends une grande quantité et tu fais un peu de profit, mais beaucoup de profit,